Bonjour les enfants et bienvenue donc sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons revoir, ce qu'on a déjà vu en classe, comment récupérer les fichiers que je mets sur Pronote, les fichiers Scratch que je mets sur Pronote et comment s'en servir pour faire les exercices. Alors, tout d'abord, il faut d'abord aller sur Pronote pour les récupérer. Alors, au cas où il y a encore quelques-uns qui auraient eu un peu de mal, je pense pas, enfin, on ne sait jamais. On va prendre ça du début. Donc, on va sur Google pour récupérer le site du collège. Enfin, Google, n'importe quel autre moteur de recherche. D'ailleurs, je vais faire le travail sur Chrome. Si vous utilisez un autre navigateur que Chrome, il faudra faire, bien sûr, adapter la situation, adapter ce que je vais dire à votre situation. Moi, j'utilise Chrome et Windows 10. Allez, on écrit donc collège de fer. Qui est fermé. On clique sur site web et on tombe ainsi sur le site du collège. Portail d'accès à Pronote. Et on est là. Alors là, on va en mode élève, puisque vous êtes des élèves. Et là, on tape identifiant et mot de passe. Et je remercie l'élève qui m'a passé, qui m'a prêté identifiant et mot de passe pour que je puisse vous faire cette démonstration. Merci. On se connecte. Et on arrive donc ici. Pas la peine d'enregistrer, du moins pour moi, vous pouvez très bien enregistrer le mot de passe pour ne pas avoir à le retaper. Bien, alors ici, pour pouvoir avoir accès à ces fichiers, il faut aller dans cahier de texte, parce que forcément, je mets les affaires dans le cahier de texte. Contenu et ressources, on peut également récupérer par travail à faire, mais parfois c'est effacé. C'est plus simple de récupérer dans contenu et ressources. Comme là, on a ici toute la liste de tous les contenus et ressources de toutes vos matières. Comme les fichiers Scratch sont parfois un peu vieux en date, eh bien, il est conseillé de passer en vue hebdomadaire et de cliquer sur la petite flèche à gauche pour revenir en arrière. J'avais regardé, c'était le 7 février, je crois, qu'on avait fait la dernière fois du Scratch en classe et qu'on avait donc mis les fichiers. Alors, 7 février, c'est là, vendredi. Voilà, avec toutes les matières de la journée. On clique sur mathématiques. Voilà, et ici on trouve ce qu'on a fait. En particulier ici, tous les fichiers .sb2 sont les fichiers Scratch que j'ai mis pour cette classe. On clique sur un des fichiers. Regardez ici, regardez en bas à gauche, s'affiche le téléchargement de ce fichier. Alors, où est-ce qu'il arrive? Où est-ce qu'il est enregistré? Mais si vous n'avez pas changé les paramètres dans Chrome, eh bien, il est dans votre dossier téléchargement. On peut le récupérer ici, appuyer sur la petite flèche et afficher dans le dossier. Vous voyez, dans le dossier téléchargement, on trouve notre fichier ici 6.4.02.sb2. Peut-être que le point SB2, vous le voyez pas, parce que à l'origine, dans Windows, il n'apparaît pas. C'est moi qui l'ai fait, qui l'ai ajouté pour mieux voir l'extension des fichiers. Mais vous, ça dépendra de votre configuration. Alors, ce qu'il ne faut surtout pas faire maintenant ici, c'est lancer le fichier. Il faut aller dans Scratch. Il faut aller dans Scratch et faire fichier ouvrir. Ou est-ce que si on fait directement double-clic sur le fichier, du moins sur la tablette, ça ne marche pas. C'est dommage, mais ça ne marche pas. Donc on va donc dans fichier ouvrir. Et là, on va chercher l'endroit où est enregistré le fichier, dans le téléchargement. Moi, c'est dans C. Utilisateur admin téléchargement, mais ça change évidemment dans chaque ordinateur. Vous cherchez votre dossier téléchargement, vous cliquez sur le fichier et vous cliquez sur ouvrir. Et voilà, le fichier s'ouvre dans Scratch sans aucune difficulté. D'accord? Bon, on va faire un petit programme, voir ce qui se passe après. Allez, on va faire un petit cercle. Je mets comme coordonnées. On va mettre 0, 0, on va mettre 100 comme rayon, on va mettre 0 comme couleur, c'est-à-dire le rouge. Et on va voir ce que ça va donner. Voilà, mettons en route en n'oubliant pas de mettre en mode turbo, sinon dès qu'il y a des cercles, c'est une tortue. Voilà, le cercle est fait. Bon, c'est pas le bon, évidemment, mais c'est pas grave. Faisons comme si on avait fait un programme, comme si vous étiez satisfait du résultat et que vous vouliez passer à l'exercice suivant. Ben, ce qu'il ne faut pas faire, et ce que font beaucoup d'entre vous, faut bien le dire, c'est d'aller direct. Ouais, pour en chercher un autre, je vais
en télécharger un deuxième. Voilà. Comme ça, je suis sûr qu'il y a qu'un autre à ouvrir. Donc ici, si je fais directement fichier ouvrir pour ouvrir le deuxième fichier, il me demande si je veux enregistrer le projet. Bien évidemment, je n'ai pas envie d'avoir tout perdu. Donc j'appuie sur sauvegarder. Mais alors là, il ne le sauvegarde pas automatiquement. Il me demande où je veux le télécharger. Mais vous, vous croyez toujours que vous êtes en train de chercher, qu'il est en train de vous demander qu'est-ce que vous voulez ouvrir. Il n'est pas en train de vous demander ce que vous voulez ouvrir, pas du tout. Il est en train de savoir où vous voulez enregistrer votre programme en cours. D'accord? Donc, pour éviter ces problèmes, le mieux que j'ai à vous proposer, c'est de ne surtout pas faire comme ça. Voilà, on fait annuler. Lorsque vous avez fini votre programme, vous allez dans Fichier et vous ne faites pas encore ouvrir, non. Vous faites Fichier, Sauvegarder. Sauvegarder. Et il sauvegarde automatiquement à l'endroit où il était déjà enregistré. Comme ça, lorsque ensuite vous allez demander à ouvrir. Vous allez demander d'ouvrir un nouveau fichier, comme ceci, il ne se posera pas de problème. Il ouvrira la fenêtre pour vous dire, mais quel fichier voulez-vous ouvrir? Donc là, on va ouvrir le bon fichier, donc dans ces utilisateurs, admin, téléchargement. Et là, j'ouvre le 3 et ça marche sans problème. Et là, je peux faire mon nouvel exercice. D'accord? Si vous ne faites pas comme ça, vous allez avoir des problèmes. Vous allez ouvrir le fichier 3, vous allez dire « Oh, c'est bizarre, c'est la même chose que le 2 » et vous n'allez pas comprendre pourquoi. D'accord? Donc, retour sur Pronote, vous téléchargez tous les fichiers. Et une fois que c'est fait, vous faites des « Ouvrir » pour choisir le fichier que vous voulez. Et après, à chaque fois qu'il est terminé, vous sauvegardez et à nouveau, vous faites un fichier « Ouvrir » pour passer à l'exercice suivant. D'accord? Bon, ben, j'espère que tout le monde a bien compris maintenant, que tout le monde va réussir. N'oubliez pas qu'il faut un peu adapter ce petit tuto selon la machine que vous avez, mais c'est, je pense, assez net. Voilà, j'espère que maintenant tout est bien clair pour tout le monde. Allez, bonne journée à tous et à très vite. Ciao, ciao, ciao!